Claudius. C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Retiens ta main, mon doux prince moi d'où tu veux rire cette fois personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince être ou ne pas être ne pas être <laughs> Et hey, salut tout le monde, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine. Eh bien on se retrouve aujourd'hui, donc on est dimanche. Dimanche c'était euh, Petit Vide Grenier en l'occurrence. Euh, là c'est se dans une petite salle euh, à une petite vingtaine de kilomètres de chez moi. Euh, rien d'extraordinaire, si ce n'est que j'ai vu euh, se vendre devant moi euh, deux manettes de NES, euh, le flingue euh, en version grise, euh, donc euh, pour le Duck Hunt euh, et pour le Welgunman par exemple. Et puis il y avait deux jeux, il y avait un Mario, donc le Mario classique, et puis je sais plus c'était quel autre jeu, donc la personne qui a euh, qui a acheté ça devant moi, donc elle a payé ça 13 euros, j'ai trouvé ça super cool, un très très bon prix. Euh, la personne qui vendait ça avait encore euh, trois jeux de Master System, non, oui c'est Master System, euh, ils étaient vraiment pas intéressants, en plus elle en voulait 20 balles en loose, c'était des jeux très très classiques, je ne me rappelle même plus les titres. Mais euh, donc euh, voilà pour cette premier ce premier vide grenier il y avait absolument rien du tout. Euh, juste à côté, à cinq kilomètres de là, il y avait un salon de l'antiquité. Euh, alors c'est pareil, on y a été avec euh, avec Nelly Atis qui était avec moi ce matin. Et puis euh, bah pareil, on n'a rien vu d'extraordinaire. Si ce n'est une petite chose, euh, il y avait une dame qui vendait une, une GameCube. Euh, une GameCube euh, la, la version violette avec deux manettes une grise et une violette euh, alors c'était en loose c'était à 65 euros donc euh, moi ça me ça me convenait pas au niveau du prix après euh, euh, le, les prix étaient, étaient comme ça elle n'a pas voulu négocier soixante euros moi je voulais pas ça m'intéressait pas donc je n'ai pas pris cette console il y avait aussi une Xbox première génération avec quatre jeux la personne en voulait aussi 70€, euros ce qui ne m'intéressait pas du tout euh, il y avait un beau lot de jeux de Game Boy en loose qui est parti aussi devant mes yeux. Euh, 35 euros, il y avait, il était parti à 35 euros. Alors les titres, j'ai pas vu du tout, mais je sais qu'il y avait 9 jeux. Donc euh, à voir en fonction des titres qu'il y avait, ça aurait pu être intéressant ou pas. Bon, 35 euros, c'est pas spécialement euh, excessif au niveau du prix, mais euh, mais euh, à voir quoi. Et il y avait un autre jeu sur lequel j'ai réussi à euh, que j'ai réussi à avoir. Euh, donc c'est le euh, Super Mario World 2 Yoshi Island en loose sur euh, Super NES. Euh, voilà, alors celui-ci, euh, 20 euros, je l'ai payé, alors c'est pareil, c'est pas l'affaire du siècle non plus, euh, il est bien en FH, donc ça c'est cool, euh, maintenant, euh, ouais, 20 balles, euh, c'est un, un Mario, enfin, euh, je l'avais pas celui-ci, j'achète rarement de des jeux en loose, mais euh, celui-ci, j'avais envie de le faire. Euh, je me suis dit pour 20 balles j'ai regardé un peu les prix c'est à peu près ça hein, sur 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 internet ce qu'on peut trouver un peu partout sur eBay ou Vinted. Donc je me suis pris ce petit jeu-là donc euh, dans ce dans ce salon de l'antiquité. Voilà, donc ça c'était ma seule trouvaille pour aujourd'hui mais cette semaine, j'ai reçu pas mal de choses, des petites choses cool et je suis assis, euh, allé dans un dans mon cache enfin dans un autre cache que celui où je vais d'habitude. Et là, je me suis trouvé des petits objets sympathiques. Euh, je me suis déjà trouvé deux figurines euh, de Street Fighter, à savoir le, le, le bison. Donc ça, ça doit être les figurines de chez Altaya, euh, d'après ce que j'ai compris. Euh, donc oui, c'est 2019, c'est pas vieux du tout, mais euh, j'aime bien j'aime bien Street Fighter. J'en avais que deux figurines, j'ai une Ryu et une Chun Li. Et du coup, bah, je me suis pris la petite figurine donc de bison et la figurine de Blanca. Voilà. Elles sont super sympas je trouve. Euh, les deux figurines elles m'ont coûté 5 balles donc euh, 2,50€. C'était euh, vraiment, vraiment sympa. Il y avait aussi la balrog mais elle était super mal faite. Ça m'intéressait pas et il n'y avait rien d'autre. Après c'était que vraiment des personnages un peu lointains de l'univers donc euh, non, ça ne me, ça me branchait pas spécialement. Euh, ça c'était tout pour le cache euh, là-bas. A... Je suis allé donc dans un autre cache aussi, euh, celui-ci mon cache habituel, où euh, mon petit vendeur il m'a fait un superbe prix sur euh, sur ça. Donc c'est le guide officiel donc de Final Fantasy Crystal Chronicles sur GameCube. Euh, il est sous blister, il est encore sous blister. C'est vraiment cool. Euh, ça reste du Final Fantasy, donc bah une de mes licences favorites. Euh, il me l'a fait à 20 balles, donc bah à 20 euros je l'ai pris aussi. Parce que je pouvais pas le l'essayer. J'aime bien les guides, surtout quand ça concerne Final Fantasy. Et en plus, quand c'est sous blister. Alors dommage, je ne l'ouvrirai probablement pas. Ou j'essaierai de me le trouver en, en version déjà ouverte sur, sur Internet. Je pense que ça va être largement trouvable. Mais sous blister, ça commence à avoir sa petite cote. Et du coup, je suis content de l'avoir eu pour 20 balles. Ça, c'est vraiment sympa. Euh, ensuite, euh, dans les colis que j'ai reçus cette semaine... Euh, alors une petite cassette audio, ça me rappelle un peu euh, des bons souvenirs, surtout des pas mal de musique de film. Donc une petite cassette audio de Phil Collins. Euh, moi j'aime bien, bon, mon goût, mon, mon goût personnel, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien ce qu'il fait. Donc euh, je me l'ai surpris pour euh, mon euh, mon petit euh, mon boombox euh, qui est installé. Ça c'est cool. Euh, après je me suis trouvé un petit jeu euh, sur euh, Vinted, euh, c'est un, un jeu de tarot mais en version euh, les Krados, Garbage Pete Kids. Euh, il est vraiment super cool. Les cartes elles ont vraiment un design assez sympathique. Euh, le petit jeu il m'a coûté 4 euros sur Vinted, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait un, petite, un petit objet de déco sympa dans, la, dans le côté euh, rétro, même si celui-ci n'est pas rétro parce que ça doit être une reproduction, je crois, qui date des années 2015. Donc C'est pas vraiment rétro. Euh, ensuite sur Vinted, pour continuer cette semaine j'ai chopé une petite euh, Madball qui va qui rentre aussi dans ma collection de jouets euh, donc des années 80-90 euh, celui-ci de 89 je crois ça doit être ça voilà avec le petit enseigne de malbot sur le côté bon euh, elle a un petit peu vécu mais bon c'est pareil pour trois euros le petit jouet euh, c'est assez cool ça finira bien sur ma petite étagère où j'en ai déjà quelques unes. Euh, ensuite j'ai rentré, euh, alors là c'est un jeu, je l'ai je chopé à 2€ pareil sur Vinted, bon alors il est en anglais euh, mais pour jouer à ce genre de jeu il n'y a pas forcément besoin euh, ce qu'il soit en français et en plus il était complet euh, c'est le Batman euh, sur la PS2, le Rise of the Sin -tou. je ne sais pas du tout voilà donc euh, il est dans un état assez correct, euh, la jaquette elle est juste trop belle euh, c'est un peu ça qui m'a fait euh, tilter euh, pour l'acheter et puis euh, bah, comme il est complet euh, ça m'a fait plaisir de, de choper ça pour au de prix. Ça c'est vraiment sympa. Et ensuite, le dernier achat Dinted de cette semaine, euh, c'est un autre jeu en loose, euh, pareil que je voulais faire et qui concerne une licence que je suis en train de, où je suis en train de récupérer pas mal d'items, pas mal d'objets, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc là, c'est un jeu de Game Boy, c'est le Roger Rabbit en version européenne euh, sur Game Boy en loose. Donc voilà, celui-ci j'aimerais bien l'avoir un jour en boîte, mais là je veux déjà le tester en loose, donc on verra bien ce que ça va donner. Euh, 5 balles sur Vinted, ça c'est vraiment cool aussi. Choper à une heure de la nuit improbable puisque j'arrivais pas à dormir et il était là euh, à 5 euros, je me suis dit, vas-y euh, bon on y va, on l'achète quoi. Et euh, Voilà, et ensuite bah, on va continuer sur, euh, sur, euh, sur, euh, comment sur les achats internet et on va continuer dans du Roger Rabbit. Euh, là pour le coup, c'est vraiment du rétro puisque c'est 1987 et c'est encore une peluche, la peluche du fameux Roger Rabbit. Voilà, elle est vraiment super propre. Elle a encore son étiquette, ça c'est vraiment cool. Je l'ai laissé parce que euh, je la mets dans le dos, mais je, je la laisse parce que c'est vraiment authentique. Il y a même encore l'année euh, dessus, de, donc de 1987. Et derrière, surtout pour bien vérifier que c'est bien, c'en est bien une et non pas une étiquette refaite, il y a bien aussi l'oncle 1987 qui est bien inscrit ici. Donc Ça, c'est vraiment cool. Voilà, une belle petite une belle petite peluche. Euh, la peluche, elle m'a quand même coûté 18 balles. Hein, faut pas, euh, voilà quoi. Mais euh, ça reste du Roger Rabbit, c'est du rétro, c'est ancien, c'est vraiment cool. Ça, je suis content de le rentrer. Ça fera très joli dans mon petit coin rétro. Et on va continuer avec du Roger Rabbit, un, un colis que j'ai reçu hier. Euh, donc si vous aviez vu il y a 15 jours, euh, j'avais reçu des figurines donc, de Roger Rabbit sous Blister. Euh, je vous avais dit qu'il y en aurait plusieurs et que j'arriverais à en acquérir euh, encore quelques-unes, euh, euh, mais euh, que mes finances ne euh, pouvaient pas me permettre non plus d'acheter tout et n'importe quoi euh, en permanence. Donc là je suis tombé sur une très bonne annonce, euh, où euh, bah, c'est encore une figurine de, que de Roger Rabbit que je n'ai pas, et là en l'occurrence c'est vraiment le Roger. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est 1987. Le blister, il est vraiment dans un état pff, juste super propre. La personne qui l'avait chez elle, elle vraiment l'avait bien, euh, bien, stocké dans un endroit vraiment cool. Bon, il a un tout petit peu plié ici, mais bon, ça c'est pas grave du tout. Euh, franchement, euh, ça ira super bien avec les deux autres. Donc, j'avais déjà le juge de mort et le Eddie Valiant. Du coup, maintenant, j'ai le Roger. Et bientôt, il y a la voiture qui risque d'arriver. Donc, euh, la voiture qui s'appelle Benny, si je me rappelle bien, dans le film. Donc là, je suis super content. La figurine, elle m'a coûté 25€, euros. Il euh, y a eu pour presque 8 euros de frais de port quand même, puisque ça venait d'Angleterre. Donc ça, c'était, euh, c'était vraiment cool. Euh, ça, je suis bien content. Donc il me manquera plus que Benny et puis que Jessica normalement pour récupérer euh, la collection complète, euh, parce que je crois qu'il y, y a une fouine aussi. Ouais, il me manque plus qu'une fouine et le baby Herman. Mais le baby Herman, je l'ai encore jamais trouvé pour l'instant. Et pour finir, euh, encore deux objets, euh, donc enfin euh, trois objets même, puisque sur Marketplace cette semaine j'ai récupéré un lecteur de laser disque pour les films. Euh, je l'ai payé 20 balles à la base. La, la dame, elle avait mis à 35. Au bout de deux jours, elle a vu qu'elle le vendait pas. Euh, elle l'a descendu à 20 euros. C'était à 20 minutes de chez moi. Je me suis dit, allez, c'est parti, je vais le chercher. Euh, le seul X, c'est qu'il n'y a pas la télécommande. Alors, c'est pas méchant, puisque dans le sens où euh, je regarde pas des films en permanence sur les lasers disques, mais euh, il marche super bien. Je vous ai, je vous ai mis une, une petite photo en incrustation et euh, j'ai déjà essayé cette semaine sur euh, un film que, que j'ai récupéré aussi cette semaine en même temps. Euh, sur le film de Last Action Hero, voilà, en laser disc. Euh, Celui-ci, je l'ai payé 11 euros. Et c'est vraiment cool, parce que franchement, euh, j'adore ce film. Et euh, c'est vraiment, euh, bah, ça t'a vraiment dans les années 90, hein, c'est pareil. Et euh, du coup, euh, je, je me le suis mis sur le laser disc, je l'ai essayé, ça marche super bien. Et euh, la qualité elle est vraiment ouf. C'est dingue que les laser disques n'ont pas spécialement marché à l'époque. Mais bon je peux comprendre en même temps quand je vois la place que ça prend et le poids de ouf que l'appareil fait. C'est juste euh, insolent quoi. Et pour finir donc euh, bah, en continuant dans Last Action Hero je me suis trouvé la VOST du film. Euh, la VOST, l'OST pardon du film. Voilà donc de la Action Hero avec euh, du ACDC, du Alice in Chain, du Megadeth, bah, Pas mal de choses cool. Avec euh, voilà, il y a toutes, il euh, y a toutes les scènes de films et tout, euh, le CD qui est bien là, euh, super propre. Le CD c'est pareil, je l'ai payé 5 balles. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, et eh ben je pense que c'est à peu près tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, vous me direz. Il n'y a pas de, pas beaucoup de jeux cette semaine, pas beaucoup de jeux vidéo. Euh, J'avoue qu'en ce moment je trouve pas grand chose qui me, qui me hype. Euh, si ce n'est, il y en a deux trois qui vont arriver, mais qui vont, qui vont être cool. Mais euh, en ce moment il n'y a pas beaucoup de jeux euh, qui me qui me rappelle ce que moi j'avais envie de faire donc à l'époque ou que j'avais envie de rejouer. Euh, donc, euh, je me concentre sur euh, des objets de décoration ou des jouets ou euh, ou des, des des bouquins en ce moment. Pas mal de petits bouquins assez sympathiques. Voilà, ben bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à liker, à commenter, euh, n'hésitez pas à partager les vidéos. Continuez à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et puis, on se retrouve sûrement dimanche prochain pour une pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et euh, continuez surtout à geeker et amusez-vous bien. Allez, ciao tout le monde et bon dimanche